Réunion, c'est une école de commerce. Qu'est-ce qu'on peut inclure sous cette dénomination? Alors EM Lyon est ce qu'on appelle une business school, c'est-à-dire une structure dont la mission est de transformer les individus et les organisations afin que les uns et les autres soient plus efficaces dans la compétition économique. Alors l'école du futur sera totalement différente de l'école d'aujourd'hui. L'école étant une entreprise, nous avons les mêmes contraintes, les mêmes enjeux qu'une entreprise. Et elle sera très différente parce que, comme les entreprises qui vivent la révolution numérique, nous devons transformer notre organisation en stock à une organisation en flux. Nous avons des stocks de cours, des stocks de professeurs, des stocks de salles, des stocks d'étudiants, des stocks de stagiaires, des stocks de premier emploi. Nous démarrons au 15 septembre et pas avant, et on termine au 30 juin. Cette description-là, elle n'existera plus. Ce n'est plus possible. Nous vont passer dans l'éducation de l'ORTF à Netflix. C'est-à-dire que nous devons être capables de proposer à n'importe quel individu, à n'importe quelle organisation, de démarrer sa transformation et non plus sa formation. Parce qu'il n'est pas difficile de se former aujourd'hui en allant directement sur le net. Par contre, travailler sur les contenus, la mise en œuvre, la personnalité, tout ça, ça devient notre travail. C'est là où on a notre valeur ajoutée. Donc, tout individu va pouvoir démarrer sa transformation quand il le veut. L'école traditionnelle, je veux dire, aujourd'hui, on ne vous demande pas un diplôme. Qu'est-ce que c'est qu'un diplôme s'il a une reconnaissance juste d'un État français? On va vous demander, une école comme EM Lyon devient aujourd'hui une structure globale. Nous sommes présents à Shanghai, nous sommes présents à Casablanca, on est présents à Paris, on est présents à Saint-Étienne. Ce n'est pas automatiquement les mêmes programmes. Quand quelqu'un vous dit « j'ai fait Harvard », on ne vous demande pas quel programme. Demain, on va dire « j'ai fait EM Lyon ». Mais j'aurais peut-être fait EM Lyon en Chine, j'ai fait EM Lyon en Afrique. L'objet, ce n'est pas le diplôme, c'est la notoriété de l'entreprise, la notoriété de l'école qui va faire la qualité des diplômés. Pourquoi? Parce que cette notoriété, elle est portée par nos clients, elle est portée par nos entreprises. Ce n'est pas le diplôme, vous venez dans une entreprise parce que vous êtes diplômé et vous êtes mauvais, ça ne sert à rien. Le diplôme devient accessoire aujourd'hui par rapport à une transformation permanente des individus. C'est permanent, c'est tous les jours. Nous créons aujourd'hui des bases de données, des méthodes pédagogiques qui permettent à nos étudiants de se transformer tout au long de leur vie. 10 ans, 15 ans après, comment ils peuvent revenir dans la communauté EM Lyon pour acquérir un nouveau niveau d'expertise.